Pour le matériel, vous cassez pas la tête. Là, j'ai un petit peu de ouate. Si vous n'en avez pas, vous prenez des fins de pelote. J'ai ce petit élément pour faire une broche. J'ai une paire de ciseaux, une aiguille à laine, mes petits fils de coton. Et vous allez voir, on va faire ça ensemble. Ça sera soit des porte-clés, soit des broches, ou soit, vous savez, pour justement mettre sur votre tote bag ou celui-là, si vous l'avez fait, c'est le dernier tutoriel. Hop, vous voyez, on va mettre ici encore un petit pendant. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour faire vos petits fruits, je ne vais pas vous les refaire. Vous avez un tutoriel pour tous les petits fruits. Sachant que, par exemple, là, j'ai fait des nouveaux. Vous voyez, j'ai fait des petits kiwis. Les kiwis. Donc, les kiwis, ça sera sur la même base que les pastèques. Si ce n'est la couleur qui change. Voyez, le cœur, il sera blanc. Ensuite, j'ai fait tout vert et j'ai fini par du marron et les pépins noirs. Donc, prenez ces modèles pour la fleur. Pour la cerise, il y a déjà un tuto. Là, on va juste, voilà, on va juste les pumper, si vous préférez. Les pimper. Les pimper. La cerise, vous la faites comme dans le tutoriel. Vous faites juste deux petits ronds en plus. Voyez, le premier, il est ici. Là, je l'ai déjà cousu. Donc, vous faites deux ronds de la même façon. L'aiguille à laine, là, on coud. On les assemble au final, si vous préférez. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, j'avais déjà cousu avant. On prend notre petite ouate, on la remplit dans la cerise. Voilà. La technique, il y en a peut-être un petit peu trop. Vous voyez, ça va nous faire vraiment la petite boule de la cerise. Donc là, on dirait plutôt un mini Moïse qu'autre chose, avec des cheveux blancs. Comme je dis toujours, on laisse libre cours à notre imagination. Et là, je viens coudre.